arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et yep, le petit pote, c'est vrai, pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour la deuxième partie du tuto 12 victoires, les gars, en défi classique. Nous étions en 4-0 avec notre deck, les gars. On avait rencontré 4 personnes, 2 personnes à 5000 trophées, 1 personne à 4000 et 1 personne à 5000. Ensemble. Et puis voilà, les gars, avant que la vidéo commence, les gars, on n'hésite pas à s'abonner et à lâcher le petit pouce bleu des familles, ça ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui le feront. Ok, attention, Nissa 0C de la garde royale. Ok, il met un grand pont, on va aller mettre le ça tranquillement. Logbait, matchup compliqué aussi, si c'est du logbait. MKBait, c'est pareil, il y a quoi avec le gong, c'est tout. Ok, on prend les PK, c'est Valkyrie, normalement c'est du logbait, donc si je me trompe pas, ça devrait aller. Ok, bon. Ok, c'est absolument pas du logbait, c'est pas grave. Je vais peut-être pas du même Valkyrie s'il, ouais, s'il a quand même forcé là. Juste aller défendre avec un sorcier comme ceci. Hop, nickel, le sorcier qui est clean. Va prendre un petit peu de dégâts, mais c'est pas dramatique. Je m'en doutais qu'il allait me chier un truc comme ça. Je m'en doutais. Je sais pas pourquoi, je savais. Je pensais qu'il allait mettre un gang, je savais qu'il y avait un autre truc, c'était obligé. Ok, il met le gang qui va se faire pas fumer, ça c'est chiant. On va devoir malheureusement suivre les dégâts, hein. Je peux pas mettre un électro sensé sur ça. Tant pis, hein. On assume les dommages. Maintenant je sais exactement ce qu'il joue, je sais qu'il joue du MK. Du coup on va bien garder mon P4, de toute façon c'est un HP, il a pas l'air d'avoir de gros sort, donc ça a l'air d'aller à peu près. Du coup c'est vraiment chill. Ok, bon là il en fait la même, mais cette fois on va pas tourner dans le panneau. La question c'est ce qu'il va remettre à MK au pont. Ok. Et des fois ce qui est du coup vraiment chill. Alors là, si on fait une grosse erreur là, de vouloir gel. Voilà, c'est chill. Là, dès que l'Elixir Fodder arrive, on part bien évidemment. Oh. Il est complètement taré ce mec. Complètement con. On va garder ça pour le cimetière, tant pis. Ok, hop. Hé hé. C'est moi qu'elle meurt, voilà, nickel. Ça fait plaisir, ça donne le smile. Il a pas dans une condition, de win condition, donc c'est vraiment chill. On va mettre le PK. S'il met Seiyaku, il donne notre sorcier. Ok, il a un Kaba. Très bien, on va électro-sorcier ça tranquillement. On prend 0 dommage, on va bien évidemment aller mettre une Valkyrie pour la défendre tout ça, ainsi qu'une petite tornade pour les gargouilles. Et ce mec est complètement con. Voilà, j'ai que ça à dire. Ok, bon allez, il va sûrement mettre son miroir. Un shot. Ok, c'est pas grave. Bon, il remet à MK, ouais bon. Son MK qui va se faire défoncer. Voilà les gars, première win contre Nissa 07 de la carte royale. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez, hop, on va aller prendre le petit panier des familles, le petit livre des Famax. On va évidemment aller l'utiliser sur la mousquetaire pour la passer niveau 13. On a malheureusement pas le gold, mais je sais que je peux la passer niveau 13, donc ça c'est plutôt Gucci. On attend les culs, hein. Les culs avec tout ça, bon c'est voilà. Ok, ouais, merde, je vais réinviter le profil du mec. Ouais, bon, voilà, il a 5K. Ça reste très faible quand même. D'ailleurs les gars, si vraiment vous voulez vous améliorer, le meilleur moyen c'est de prendre du coaching. Il suffit d'aller dans la description, d'arranger le serveur, c'est 8€ l'heure les gars. C'est vraiment pas cher parce qu'il y a des gens qui croient que c'est cher, mais c'est pas si cher que ça. Les gens le font en général entre 10 et 20€, moi je le fais à 8. Voilà. Ok, là on peut les mettre là, Toto. Tranquillement. Voilà, nickel. Mineur cycle. Ouais, ok. Pour l'instant, on va pas défendre, on va juste mettre un électro sur ce pont. Ok, on va pas défendre. On va laisser tanker notre tour, c'est pas grave.
Je sais que c'est un deck cycle, donc je permets de P.K.L. encore une fois. Là, je sais qu'il a pas de, ouais, de méga chevalier ou je sais pas trop quoi. Je sais que c'est pas une bonne idée de cimetière en first play, mais là, j'ai l'impression que le mec joue pas très bien, donc ouais, voilà, typiquement pour ça. Là, le but c'est de Tesla la de gel la Tesla. Et puis voilà, bon, du coup, il met collier. Et bon, on met quand même tellement de dégâts que bon. Ok, on va aller mettre la Valkyrie tranquillement, attendre de voir arriver son mineur. Voilà, bon, nickel, ça, on prend tout. On prend le mineur, la Valkyrie et le collier, donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, bon, il a un collier niveau 8, donc forcément, déjà, c'est chiant, mais. Ok, bon, on va tempo pour l'instant. On va juste mettre l'autre merde. Yes. Il va sûrement remettre un mineur. Deux ans, on va attendre là. Mais j'ai un souci, j'arrive pas à toucher la tour. Oui, oh non. Ah là, frérot, il abuse un petit peu là. Hein. Rocket Cycle un peu en mode YOLO. Ouais, bon. Ok, on va bien évidemment aller cimetière, ainsi que mettre un gel de type. Je peux pas tout gel. Bon, le PK va rester en vie, c'est plus important. Bon, il a fait une très bonne défense. J'ai fait le pire gel possible, c'est pas grave. Merde, il va roquette, putain, quel bouffon. Eh, il a free roquette là. Hein. Ah, t'es la roquette. C'est obligé. C'était obligé. Bien sûr mon colis là. Tenter de laisser nos sorciers en vie et voilà, ça a bien marché. On va aller prendre la ruine. Fait plaisir, GG à un super mom. Et c'est une free win, hein, clairement. Là je vais pas avoir de la perte. Le matchup peut être compliqué quand le mec joue très très bien, mais là, là c'était pas le meilleur joueur. Hein. Le mec n'était pas une flèche, donc bon. Voilà, ouais. Il est un peu. Ouais, normalement, il n'y a pas de mineur, hein, je crois. Je sais pas. Je sais plus. Bref, du coup, on part sur cette troisième game, les gars, de la vidéo. Donc, vraiment, les gars, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, les gars, si vous voulez me contacter sur. Ouais, me contacter, me poser une question, n'hésitez pas à aller sur Instagram, les gars, en bas de mon overlay. Ok, lockbait. Ok, bon. Le frérot est là, on est tranquille, on est vraiment chill. Ok, princesse au pont, très bien. Ouais, bon. Et bah, sûrement, ok, il a. Ah, c'est la version très cycle, sans gang de gobelins, très bien. Donc là, faut absolument pas que je joue. J'attends l'élixir x2, j'ai pas le choix. Et sûrement, ouais, son fût, voilà, exactement. Ok. Je vais pas jouer plus que ça. Ça, ouais, c'est. J'ai envie de jouer, mais je peux pas le faire. Ok, mais une Valkyrie. Ouais, tu le bats le. Ok, il met une princesse. On va aller zap ça. Et si elle meurt pas, on va l'éternat, bien évidemment. Ok, nickel. Oh là, tes placements bien. Il y a un placement les gars pour avec l'électro sorcier pour tout toucher avec le zap quand il spawn. Voilà, c'est normal qu'on assume les dégâts pour l'instant, c'est tout à fait normal. Il faut attendre l'élixir x2, hein. J'ai vraiment pas le choix d'attendre l'élixir x2, il y a même Prince au pont. Ok, là c'est le moment de jouer enfin un petit peu. J'attends de voir si je suis gobelin ou pas.
Bon, ok, on va partir en PK alors. Ok, on va bien évidemment les A pour prendre 0 dégâts. Est-ce qu'il est T2? Ça c'est la vraie question. Et s'il n'a pas T2, s'il est... J'ai mis de la Valkyrie. Ouais, ok, il est T2, c'est bien ce que je pensais. J'ai bien fait de mettre de la Valkyrie du coup. Ok, on va les gel ça. Ça, ça fait vraiment chier parce que là, il va prendre vraiment beaucoup de dégâts. Ok, T2 qui va se faire déboîter. On va aller mettre un PK, on prépare l'électron sorcier. Je savais qu'il allait faire, qu'il allait tenter un truc comme ça. Hop. Parfait. Ok, là il rencaisse. C'est très dangereux de sa part de Rocket parce que là, il a plus beaucoup d'élixir. Bah, je m'en doutais qu'il allait faire ça par contre. Hop. Oh non, sorcier qui touche pas. Oh, j'ai trop le seum. Ça c'est dur, ça c'est vraiment plus dur pour Guillaume. Hop, on va les zap ça. Voilà, nickel, ça a T2 meurt et ça c'est plutôt Gucci. Bon là il est très chiant avec ses princesses au pont. Il va mettre quoi, Valkyrie? Ok, je vais mettre ça moi. On doutait qu'il allait faire un truc dans le genre. Ok, on va bien évidemment les zap ça. Ça va faire beaucoup chier. Là il y a plus grand chose. Là le frérot il a plus grand chose là. J'ai pas déjà, j'ai pas forcé, je vais tenter de faire une défense parfaite. Non. Ok, on, les prend, on va pas prendre de risques, on prend pas de risque. C'est pas le moment de prendre des risques. Bon, elle est en match, je m'en doutais qu'il allait tenter de protéger sa Valkyrie. Ok, on va lui mettre ça. Là, s'il met son... Ok, je m'en doutais qu'il allait tenter un truc comme ça. Oh non, on prend le coup. La roquette qui termine. Oh, j'ai trop le seum. Oh, mais ça chatte, mais d'où? Oh, il y a tellement de chat, genre. Ok, bon bah j'ai malheureusement perdu. Bon, c'est un gros hardcounter Logbait, hein, mais il a énormément de chat, le mec. Il est vraiment nul. Et il a de la chat, c'est tout. L'électro sorcier qui avait pas envie de. Qui avait pas envie de combattre, donc du coup, bah j'ai pris le coup. C'est dur, hein, c'est dur. Là, la défaite qui plombe le moral, hein. J'ai pas vomito. Ça devient dur. Ok, Molos first play. Alors, on part en PK. Ah bon, c'est vraiment la pire main pour commencer un Molos. Genre, j'ai ni le sorcier ni le sorcier électrique. Nice. Bon, bah, on va partir en cimetière. Hein. Écoutez, vous voulez que je vous dise quoi? Suivant qu'il a son ballon après, hein, parce que en général, les Molos, ils ont toujours un bon moment de départ. Hein. Non? Ok. On part en cimetière. On a notre gel. C'est pas merde, ouais, mais c'est quoi, mais putain, et pourquoi je misclique comme un gros porc, c'est pas possible. Bon, bah yes, hein. Du coup, j'aurais pu prendre un coup de PK, c'est pas grave. Ok, là, on va mettre le sorcier pour aller défendre ça. Je sais qu'il va faire full taf. On va quand même prendre cher, hein. On va quand même prendre très cher. Je pense que je vais tenter d'accompagner le sorcier. J'hésite, hein. Je me tâte. Non, 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 on va pas l'ignorer. On va pas l'accompagner. Là par contre s'il part en Molo, je pars en cimetière, j'allais directement, enfin en cimetière. Ok, bon ça c'est cool que le sorcier il laisse le connecter. Allez hop. Ouais, c'est que j'ai toujours pas le sorcier, j'ai vraiment une rota de merde. Hein. Ok, ça c'est Gucci, on prend la tour. Je vais mettre un zap sur l'MG pour que ça ne prend pas de coups. Ok, alors là, comment je vais défendre? Ça, c'est la vraie question, ça. Ok, bon, on va, tant pis, on va laisser tomber la tour. Je vais défendre la tour de droite, hein, c'est... Pour l'instant, on sait l'avantage de la game, mais je suis obligé de le garder, j'ai pas le choix. On va mettre le sorcier, je pense. On va mettre le sorcier, voilà. Ça tue le bébé dragon derrière, et s'il va repartir en Molos, bah, il ne pourra pas. Ouais, alors là, le problème c'est que j'ai encore une rota vraiment qui est sacrément éclatée, donc là on va devoir repartir en sorcier. Ça me fait chier de partir en sorcier, je vous le dis honnêtement les gars. Ça me fait genre vraiment chier. Bon là on va partir en cimetière par contre. Il n'y a rien pour bien défendre le cimetière en fait. Il n'y a pas de sort. Ah si, il a des flèches, ok. Bon bah il n'y a pas, par contre il a rien pour détruire mon sorcier. Ça mon sorcier le fait vraiment chier, bah, si on va partir en Molos. Vas-y le Momo, voilà le Momo j'attendais. Il y a un mineur aussi, très bien, c'est bon à savoir.
va prendre quand même pas mal de dégâts hein, sur ce pêche. Il reste. Ouais, mais là, je pense que ça reste la sauce pour lui. Ouais, la Valkyrie, pourquoi pas, why not. On va aller mettre le gel. Il va sûrement devoir flèche très tôt, voilà, nickel. Exactement ce que je voulais. La tendance ne finit malheureusement pas. Je pense qu'il va partir en Molos. Mais nous, on va partir en sorcier avant. Ok, là, on met le sorcier ici. Nickel, ça, let's go. Ça, c'est vraiment cool, ça. Ouais, bon, lui, il était pas mauvais. Il a fait 6 gâteaux de record avec un Molos. Reste pas à son deck, ça, principal. Ok, bon. Ça fait plaisir de gagner la petite win, là. Et on part, les gars, sur cette dernière game de la vidéo. Et c'est parti. On va essayer de pas faire de défaite cette fois-ci. On va tempo avec Sylphra 2. Ok, bah, il veut pas. J'espère qu'il... Ok, c'est du PK Bridge Spam. Du PK... Bah non, c'est sûrement du PK Cavalier. Ouais, bon, je ferme ma gueule aussi, non, mais pas de soucis. Hein. En vrai, j'hésite à faire comme ça et à pâtiser mon PK. Ouais, ça le fait aussi. Ça le fait, du coup, ça me fait 2 DX de plus. La voleuse me faisait chier en fait. Ok, pas de soucis. Ok, on va aller mettre le PK par contre. Oh, puis on va aller assumer le coup, j'ai pas le choix. Oh, what? Ok. Ça, c'est un peu honteux, mais c'est tranquille. Là, je vais évidemment les cimetières, il a plus d'Elex. Ah. Ça, c'est dur. Ça, j'ai pas vomito, les gars, c'est vraiment dur ça. Ça, c'est dur, ça, ouais. Là, le DVE qui tombe là, ça fait mal. Ok, bon, on va aller défendre ça tranquillement. Oh putain, il a un poison. Oh là là, il a sûrement avoir une mamie cachée quelque part. Ah non, il a les Wiz, il a pas d'amis, ça. Il est Wiz, mamie, il a les Wiz, tant mieux. On va les détruire. On va aller détruire cette voleuse avec une Valkyrie. Ok. Alors là, comme j'ai pas en PK, je peux mettre un sorcier, on met le PK au pont. Ok, on a même le PK assez haut. Ok, bien évidemment, il a son dragon de l'enfer qui est casse-couille. Ok, là on va aller tornade pour mettre un électro sorcier. Là c'est pas dégueulasse ce qu'on propose. Il a un poison, faut pas l'oublier. Bah, si on met son méga chevalier pour aller défendre ce PK, voilà exactement comme je l'avais dit. Est-ce qu'il poison? Il ne poison pas. Ok, on va aller mettre ça là alors. Il s'y attend pas. Voilà, surprise. Ok, on a mis de bon dommage. Ça c'est plutôt Gucci. On prend notre PK au cas où il nous met un cavabélier. Voilà, exactement comme ceci. Là on peut évidemment les zap pour pas que le cavalier dash et que la bave vos va se one shot par le PK. Et là on va partir en cimetière je pense. J'attends un petit peu. À moins qu'il mette MK au pont. Ok, il met pas de MK au pont. Je vais aller tornade. Non mais je suis un boulet, c'est pas possible. En plus supposons, je suis vraiment un gros bouffon. Bon bah là, c'est la sauce là. Ouais, si ma cavalier au pont, je peux gel. Sinon je PK. Ça marche aussi le PK. Ok, on peut les zap ça directement vite. Voilà, nickel. Le PK qui fait le taf. Le PK qui va peut-être se barrer du dragon. Bah non. Ok. Pas grave. Mais une pression constante. Hein. Et moi, je peux pas attaquer en fait. Parce que j'ai fait de la merde. J'ai essayé de faire du roi comme un gros bouffon. Ok, sorcier. On va mettre le PK au pont encore une fois, je pense, ouais, évidemment qu'on met le PK au pont. Est-ce qu'on va aller tornade? Oui, avec un petit zap aussi. Ok, là on peut cimetière, et bien sûr on va mettre un poison, je pense. Ok, on peut aller gel, peut-être le PK qui va aller mettre le coup, non, c'est pas grave. On va quand même aller gratter.
pouvoir rien gratter du tout. À part rien du tout. Ok, je PK. Ok, on va les zap ça. Non, le chasse électrique qui a paralysé le cava. Mais voilà, le couscous, c'est du couscous. Ok, là, on peut tenter un petit queutru, là. Là, il y a moins de tenter un petit queutru, comme ça. En vrai, c'est tout machin. Là, je mets une pression constante pour pas qu'il puisse attaquer. On a mis des dégâts, donc ça, c'est plutôt Gucci. Le PK qui va aller faire le taf encore une fois. Là, on peut aller mettre une petite tornade tranquillement. Et on va aller win cette dernière game, les gars. Ça fait plaisir. Cette game était un peu casse-couille, j'avoue. Parce que je savais que j'avais win, mais le mec voulait pas me laisser win, donc plus c'est chiant. Bref, les gars, c'est de la fin de ce deuxième tuto, les gars. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, les gars. Et si vous êtes restés jusque-là, les gars, il faut marquer hashtag voleuse, voilà. Hashtag poison, les gars. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, les gars. C'était vrai coup. Ciao.